danger are raging around us. Overwhelming forces of darkness assail. Still in the fight, see advancing before us our flag of liberty that yet shall prevail. Then onward and onward, freedom awaits you o'er all the world, on the land and the sea. On with the fight for the cause of humanity. March, march together, and the world will be free. En 2017, la Faculté de musique de l'Université de Montréal a mis en place une école d'hiver internationale permettant à 6 étudiants musicologues de réfléchir à la définition et aux enjeux de la médiation de la musique à l'heure actuelle. Ce présent documentaire est le fruit des réflexions suscitées par cette rencontre enrichissante entre étudiants, chercheurs et représentants du milieu professionnel de la musique. Les échanges ont lieu durant une semaine à l'abbaye de Royaumont, ancien monastère cistercien, construit au XIIIe siècle et situé à Asnières-sur-Oise, à environ 30 km au nord de Paris. Lieu de patrimoine culturel incontournable et incubateur de création pour des artistes en résidence depuis des décennies, la Fondation Royaumont offre également des parcours de visite pour tout type de public. Certaines de ces activités rassemblent des amateurs de musique, des habitants des environs et des artistes autour de projets de création artistique. En effet, tout comme plusieurs institutions musicales québécoises et françaises, la Fondation Royaumont cherche de plus en plus à développer ses publics et se tourne vers la médiation afin d'y parvenir. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la médiation de la musique ? À la lumière de ce séjour, nous concevons la médiation de la musique comme une rencontre et un dialogue entre public et médiateur autour d'un objet artistique. Nous constatons cependant que la médiation de la musique se développe à grande vitesse et sa définition évolue au rythme des actions et des résistances rencontrées par les médiateurs. Le mot « médiation » n'est pas très utilisé à Montréal. Au début, on a même du mal à comprendre ce que ça veut dire, mais je pense que par nos actions même de diffuser de la musique, on est absolument dans cette dynamique, dans cette problématique. C'est un peu les seules expériences qu'on ait faites en termes de médiation, parce qu'à Royaumont, il n'y a pas de, entre guillemets, de poste médiation. Et au Québec et en France, j'ai l'impression que c'est une nouvelle discipline. Puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant des enjeux de la médiation. Malgré tous ces enjeux, l'absence de postes dédiés à la médiation dans certaines grandes institutions est monnaie courante. Et c'est d'ailleurs par ce constat que l'on apprend que la médiation est, somme toute, une discipline relativement récente. Lors de cette semaine, trois grandes thématiques ont été abordées. Premièrement, l'apport du numérique à la médiation. Ensuite, la médiation en direction des jeunes. Et enfin, la notion controversée de non-public. Les pratiques liées à la musique ont radicalement changé ces dernières années et peuvent ainsi ne pas encore être arrimées avec la façon dont on conçoit la médiation. Alors, qu'est-ce que le numérique, ça change à la manière d'écouter de la musique ? Ça change tout. C'est-à-dire que les conditions d'accès à la découverte ne sont pas les mêmes. Les conditions de consommation ne sont pas les mêmes. Je veux dire quoi par là ? Je veux dire que jadis, pour accéder à la musique, on écoutait la radio, on allait à des concerts ou on allait chez un disquaire. Et aujourd'hui, les disquaires, il n'y en a quasiment plus. Tout s'étant dématérialisé, l'accès à la musique est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Et puis, c'est le fait que les publics sont confrontés à une quantité de biens absolument pléthorique. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés à des centaines et des centaines de milliers de références. Là, c'est la question de l'abondance. Mais alors, comment fait-on pour choisir dans un monde d'abondance où une grande quantité d'informations et d'œuvres musicales sont accessibles en tout temps ? L'accès à cette grande diversité nous mène-t-il réellement à découvrir ou plutôt à se tourner vers des éléments déjà connus ? Comment, à un moment donné, faire en sorte aussi que les publics accèdent sans être tout simplement noyés dans une banque de données, vous voyez ce que je veux dire, sur des décennies, etc. Avec quel filtre de sélection, dans quelle modalité proposer un éventuel accès
aux archives sonores ou aux archives vidéo quand on parle de production filmée, pour faire en sorte aussi que ça serve comme une sorte de mémoire possible des projets, mais aussi du coup de formes nouvelles de fréquentation au-delà du strict moment du concert, quoi. Donc, je dirais que toute la difficulté du numérique, c'est de savoir faire le tri, faire son chemin justement au sein de ce répertoire immense qui est à notre disposition. Et que c'est là aussi que la médiation prend tout son sens, c'est qu'elle apprend à comprendre des codes, à les déconstruire éventuellement, et à se créer son propre chemin de spectateur parmi ce vivier-là. Donc le numérique, c'est comme un immense bain dans lequel on peut se baigner, mais dans lequel on ne sait pas forcément nager. Ainsi, à l'ère 2.0, bien que les pratiques numériques démultiplient l'accès à l'art et la culture et modifient les pratiques d'écoute, cela n'est pas toujours en adéquation avec les visées de la médiation. Dans cette phase de transition, les médiateurs se doivent d'être prudents et d'identifier des limites à certains usages du numérique. Voilà, nous, avec Talent School, on met toujours en parallèle des concerts, soit participatifs où les élèves posent des questions directement aux musiciens, soit assister à des concerts plus classiques, je dirais. On sent que l'application leur permet d'écouter plus activement. Mais on sent que le contact avec le musicien est nécessaire aussi. Donc voilà, le numérique, oui, évidemment, à fond, pas que. En effet, les outils numériques comportent des avantages évidents, mais, comme en témoignent ces acteurs du milieu musical, le rôle du médiateur demeure toujours au cœur de l'échange. Faut pas non plus faire tout numérique, tout dans la nouveauté. Faut quand même faire des allers-retours entre l'idée que, oui, il y a une tradition, il y a un patrimoine qui nous appartient à tous. Maintenant, savoir comment on s'accapare ce patrimoine, comment on s'approprie ce petit patrimoine et avec quels outils. Alors, ça peut être du numérique, ça peut être la bibliothèque, ça peut être le concert, ça peut être l'expérience sensorielle. La médiation numérique pourrait aider le public à revivre un peu les différentes histoires de Royaumont. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment une réflexion, je pense, à savoir vraiment quel outil utiliser propre à chaque lieu. C'est vraiment une réflexion importante à mener, je pense. Le numérique entraîne beaucoup de changements et modifie certaines façons de concevoir la médiation. D'ailleurs, nous constatons qu'aujourd'hui, les politiques culturelles prennent en considération les changements induits par la culture numérique. De manière générale, les politiques culturelles sont établies dans le but de développer la création artistique et de démocratiser la culture en favorisant l'accessibilité et la participation. Cette démocratisation peut aussi s'établir dans le milieu de l'éducation. D'ailleurs, pour y parvenir auprès des plus jeunes, les politiques culturelles ne devraient-elles pas intégrer et encadrer davantage la médiation en milieu scolaire ? La médiation, pour l'instant, je pense qu'elle aide beaucoup, mais elle reste très ponctuelle, j'ai l'impression. Elle reste sur un orchestre, sur une institution, elle n'est pas généralisée. On va chercher nous, avec les talents lyriques, on va chercher des gamins dans des collèges qui n'auraient pas accès à tel type de musique, peu importe lequel d'ailleurs, hein, mais on y va, on va les chercher. Après, on touche deux collèges cette année, donc on touche très très peu de monde au final. Donc il faudrait s'inspirer de ça pour établir peut-être des politiques d'éducation ou des politiques culturelles plus générales. Et puis d'un autre côté, ces publics jeunes, ils ont un usage extrêmement avéré et averti des technologies numériques. Donc je pense qu'un des enjeux, ça va être une des questions, ça va être comment capter ces publics qui ont déjà une grande, grande habileté sur les réseaux sociaux, avec les algorithmes de recommandation, etc., etc. En tenant compte de la familiarité des jeunes publics avec les supports et les outils numériques, comment les médiateurs de la musique peuvent-ils adapter leurs interventions? En fait, souvent, comme c'est un endroit nouveau, puis c'est une expérience nouvelle, ils arrivent puis ils ne savent pas quel est leur rôle dans ce scénario-là. Bah, c'est vrai que tout ce qui est participatif provoque chez le jeune public l'idée de se sentir concerné, parce que sans eux, on ne peut rien faire. Donc c'est leur bien dire qu'ils sont invités à participer parce que sans cette participation-là, le morceau n'existe pas. Après, je pense qu'il y a quand même une école de l'écoute à avoir qui marche aussi, c'est-à-dire prendre ce temps d'écouter, de prendre le temps d'écouter le silence, l'espace sonore qui est autour d'eux pour pouvoir développer une vraie,
une vraie sensorialité. Vas-y, ornemente. Ça fait doux, en effet. D'ailleurs, Sylvie Brély, directrice artistique du programme Clavier de la Fondation Royaumont, partage cet avis et voudrait faire revivre la musique romantique au temps d'aujourd'hui. Je serais plus favorable à une approche plus, entre guillemets, sensorielle que forcément musicologique et formelle de chacune des pièces. Bien que pour faire cette approche sensorielle, il faut peut-être avoir ce recul d'analyse pour la mettre en place. En plus d'une approche sensorielle et participative, il est certain qu'il faut communiquer avec les jeunes publics, prendre le temps d'échanger avec eux. À cet égard, Sophie Laurent juge important de préparer les publics à qui elle s'adresse. L'enjeu important, c'est d'essayer de leur communiquer ça d'une façon la plus simple possible, faire en sorte qu'ils sont à l'aise, qu'ils se sentent bienvenus. Est-ce qu'il faut aller du côté de l'écrit? Est-ce qu'il faut aller du côté des jeux, de la participation? Je pense que toutes ces réponses sont bonnes. Je pense qu'il faut s'adapter à chacun des groupes, à leur âge, à leur niveau, à leurs compétences, à leurs connaissances. En effet, on peut se demander ce à quoi cette appellation de jeune public renvoie. Fait-on référence à l'âge des participants, au contexte scolaire ou familial dans lequel les médiateurs vont aller à leur rencontre? Les outils et les moyens que le médiateur va donc utiliser seront différents en fonction du public visé. Ce qui est sûr, c'est que des moyens, il en existe autant que de médiateurs et autant que de public. Vous voyez, c'est à l'infini, comme les moyens artistiques d'ailleurs. Chaque médiateur doit développer sa propre boîte à outils, sa propre manière de faire, et lui-même, il va s'enrichir quotidiennement avec le public qu'il va rencontrer. Devant ces nombreuses possibilités, certains pensent que l'interdisciplinarité pourrait représenter une avenue intéressante à explorer, d'autant plus lorsqu'il s'agit de musique. Le numérique introduit en permanence un rapport à l'image très, très, très immédiat, là encore. Quand on voit de la musique, finalement, grâce aux outils numériques, c'est souvent par le biais de l'image. Donc, ce n'est pas forcément l'écoute qui prime, c'est avant tout l'attraction des images. Ça peut être une très bonne chose, hein. Mais en tout cas, il faut en être conscient. Même les musiciens eux-mêmes proposent l'interdisciplinarité. Donc, on peut pas s'arrêter à juste dire « c'est que du son ». Et puis, il y a des compositeurs aujourd'hui qui ne pensent la musique que comme une forme de spectacle. Donc, il faut voir les musiciens pour le sentir. Mais comment concevoir un projet interdisciplinaire équilibré où la musique demeure l'objet central ? Une approche interdisciplinaire peut favoriser l'accès à l'œuvre en offrant d'autres portes d'entrée, d'autres clés d'écoute. Associer d'autres formes artistiques comme la littérature ou le théâtre au sonore permet une meilleure intelligibilité du musical. L'interdisciplinarité peut permettre donc de faire coexister différents types de publics. Par exemple, un spectacle associant de la danse et de la musique peut faire se rencontrer des publics de danse et de musique, et donc par opposition, des non-publics de danse et de musique. Et c'est ici que la notion de non-public est importante à éclairer, puisqu'elle suscite, elle aussi, une certaine polémique dans le milieu de la médiation culturelle. D'abord, réfléchir sur l'histoire de cette notion, parce qu'elle semble acquise. Et en fait, parfois, quand on l'emploie comme ça, comme une catégorie évidente, présente, on en oublie le sens qui était celui des fondateurs de cette notion, à savoir Janson, en 1968, dans la déclaration de Villeurbanne. Et c'était à travers cette notion, c'était à la fois une critique portée aux effets de la démocratisation, et d'autre part, c'était aussi quelque chose qui ne voulait pas se dissocier des enjeux politiques. Ce n'était pas seulement une question marketing. Comment est-ce qu'on va atteindre d'autres publics qui sont ceux qui ne viennent pas? Ça n'était pas une question de fréquentation. C'était une question d'échange dans une communauté de citoyens. Or, il me semble qu'aujourd'hui, quand on pose cette question de nos publics, on a un peu oublié cet environnement politique qui me semble essentiel. De Montréal à Royaumont, l'ensemble des participants à cette école d'hiver nous invitait donc à une médiation de la musique tournée vers l'avenir, que ce soit en termes de moyens ou de regard. Je pense que la position du médiateur, elle doit être un peu la même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être aux aguets, observateur, et qui ne doit jamais figer ses approches. En ce sens, Clément Lebrun invite même à repenser le cadre du concert classique
et à inventer de nouvelles modalités de partage de la musique et d'inclusion de tous les publics. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport frontal du public face à un orchestre. Et comment est-ce qu'on peut peut-être casser ce rapport frontal pour avoir plus de communication entre les gens ? Pas de l'ordre de communication média, mais par contre du côté communication médiation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut descendre de la scène, aller rencontrer les publics, laisser les publics monter sur la scène pour avoir cette discussion humaine entre les acteurs de la musique et puis ceux qui l'écoutent. De manière globale, Français et Québécois s'entendent sur cette idée. Dans les années à venir, la médiation devrait faire partie intégrante de l'expérience musicale. Donc je dirais que peut-être à l'avenir, le métier de médiateur sera plus habituel. Deviendra-t-il banal, je ne sais pas, mais ça sera certainement un métier plus répandu, peut-être pas que dans le milieu des grandes institutions, des musées, des salles de concert. Peut-être qu'on aura des médiateurs aussi dans des structures sociales, à l'école. Je dirais de ne plus être seulement à la périphérie de la mission des institutions, mais de rentrer au cœur de la mission des institutions. C'est-à-dire de ne plus penser la médiation comme séparée des objectifs de programmation ou comme seconde aux objectifs de programmation, comme quelque chose qui viendrait faciliter la diffusion de la programmation, mais au contraire d'être au cœur. J'espère que la médiation sera perçue comme quelque chose de normal et pas comme quelque chose qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui, ça reste un choc à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui commence à parler sur scène, qui commence à prendre la parole, c'est pas normal. Donc moi, j'espère vraiment qu'à un moment ou à un autre, ce sera plus un choc et que ce sera normal que quelqu'un prenne la parole, que quelqu'un prenne la parole sur scène pour pouvoir expliquer quelque chose, dire son ressenti, essayer de communiquer avec les gens. Pour moi, l'objectif, finalement, c'est de se dire, tiens, on a tellement mis de la médiation partout que maintenant on n'a même plus besoin d'en parler et que ça se fait naturellement. Et que l'action culturelle ne soit plus la dernière roue du carrosse d'un orchestre, par exemple. Ça fasse vraiment partie de la programmation globale d'un orchestre. Penser la programmation à partir de la médiation et non l'inverse. Voici une phrase qui nous donne à regarder vers l'avenir. Si tel n'est pas encore le cas, cette semaine de travail partagée entre étudiants, médiateurs, chercheurs et représentants d'organismes musicaux a sans nul doute permis à chacun de prendre la mesure du travail qu'il reste encore à accomplir pour comprendre, évaluer et pratiquer la médiation de la musique. Autant de portes ouvertes pour les prochaines éditions de cette école d'hiver sur la médiation de la musique.